Yo, bienvenue sur ma chaîne YouTube Our Candy Inspired, la chaîne qui vous parle de la santé, du bien-être avec des produits naturels. Aujourd'hui, je donne interview à une collègue et charmante dame, Annie La Rose, qui va vous parler un peu sur le COVID. Oui, je dis bien COVID parce que c'est le sujet qui occupe nos esprits ces derniers temps en tant que soignants. Et voilà, donc sans tarder, ah oui, d'abord mettez les pouces bleus, bien sûr, partagez, aimez, c'est ça qui donne la force. Et donc, écoutez bien, Annie La Rose, peace. Alors, il faut arrêter de rire. Hein. Ok, donc, je voulais te poser, donc je suis avec Annie est une soignante avec qui je travaille depuis 2 ans. Donc, je lui posais 2-3 questions sur le COVID. Évidemment, c'est le thème du sujet. Et donc, Madame Annie, oui. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va très bien? Oui, ça va très bien. Parle plus fort. Oui, ça va très bien. Ok, ok, ok. Alors, comment avez-vous vécu la période des grandes vagues de COVID ici? Ben, moi, je l'ai vécu mal parce que les informations, ça ne s'est passé pas bien. Et du coup, chacun se faisait n'importe quoi. Et alors... les messages n'étaient pas bien passés, ce qui fait que on n'arrivait pas à comprendre beaucoup de choses et on essayait de découvrir nous-mêmes. D'accord. Et quoi, est-ce que et comment c'était, comment au niveau du stress, vous avez eu le stress ou pas pendant le COVID, la grande vague, les grandes vagues, on va dire. Oui, bien sûr, le stress parce que c'est une maladie qu'on ne s'entendait pas, c'est dit brusquement. Et alors, on ne savait pas les gérer et on ne savait pas, comment ça va évoluer. Et surtout qu'au niveau des informations, on n'était pas bien formé. Et alors, ce qui fait que du jour, chaque jour, on avait les stress, quoi. Ok. Et alors, maintenant que ça s'est un peu calmé, comment, qu'est-ce que vous retenez de cette grande période de tension? Enfin, qu'est-ce que vous retirez comme enseignement de, voilà, de cette période en attendant que peut-être les prochaines vagues viennent? Pour moi, je pense que quand il y a des maladies comme ça, qu'on ne connaît pas, ce qui serait mieux de faire, c'est plus qu'on reste calme et puis se renseigner plus avec les temps pour voir comment... pour éviter les stress d'abord et pour voir comment ça va s'évoluer et pour acquérir un peu plus des adaptations. Quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez par rapport à votre métier? Qu'est-ce qui manque? Vous trouvez qu'il faudrait améliorer pour les bonnes conditions? Je sais pas. Quelque chose que vous aimeriez améliorer dans le cadre du travail? Dans votre métier, quoi. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez améliorer? Dans les cadres du travail, il y a beaucoup de choses à améliorer. En tant que soignante, quoi, je veux dire, aujourd'hui, en 2022, après le COVID. En tant que soignante, après COVID, il y a beaucoup de choses à améliorer. Parce que dans un premier temps, comme j'ai dit tantôt, on ne savait pas comment s'y prendre. Ce qui fait qu'on chipotait un peu plus. On n'arrivait pas à canaliser la maladie. Tout le monde était stressé. On a fait un peu n'importe quoi. C'est avec les temps qu'on s'est rendu compte qu'il fallait se maîtriser et faire un peu de recul pour bien soigner, quoi, parce qu'avant c'était les stress. Et alors, quel conseil vous donnerez à une jeune fille qui dit j'ai envie de faire soignante comme vous? Ben, moi je pense que c'est pas vraiment un métier qu'on doit s'engager comme ça. Si tu n'as pas de vocation, ça ne sert à rien parce que tu risques de faire n'importe quoi. Il faudra d'abord essayer, comme on fait des stages. Si tu trouves que ça va, c'est en ce moment-là que tu vas approfondir ou bien continuer. Si tu trouves que ça ne va pas au début, ça ne sert à rien parce que les métiers, quand même, c'est un métier lourd. Ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de patience et aimer aussi. D'accord, ok. Bon, pas trop de questions. J'ai plus trop de questions. Les amis, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que vous avez pris plaisir. Évidemment, par la suite, vous aurez d'autres vidéos de ce genre avec d'autres questions parce que là, c'est le début de ce type d'exercice. Donc, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour
tous les goûts, mais ça se passera évidemment dans le monde médical, car c'est ma profession, c'est mon métier. À part ça, je suis youtubeur naissant, ok? Un nouveau youtubeur. Donc les amis, partagez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter évidemment pour donner la force. Je veux en fait que cette chaîne soit la plateforme des soignants où nous pourrons nous exprimer autour des sujets de société, mais au point de vue médical bien sûr. Donc les amis, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous, ok? Et dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Évidemment, ça sera un peu plus chargé, plus dynamique par la suite. Mais là, c'est les premiers exercices, donc c'est normal, c'est normal. Molo, 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 comme on dit chez nous. Yo, peace!